Festival, comment tu te sens là aujourd'hui à cet instant? Pour l'instant, je sens que c'est bien parce que bon, il y a de l'installation, tu vois, il y a du matos et tout, franchement c'est pas mal. Mais bon, il y a toujours des petites difficultés. Au début, on sait pas comment on va faire, ouais, c'est chaud et puis après, on trouve une solution. Donc, on avance petit à petit, ça va être bon. Logistique, c'est franchement la crème, hein, tu vois. Bon, il y a Olivier Cléry qui est mon régisseur général et le responsable technique. Il y a Olivier Sierder qui est l'assistant réa. Il y a Greg Prezal qui est mon directeur de prod. Et on a fait venir des gars de France qui avec une grue qui monte à 12 mètres. Franchement, c'est bien. Il y a trois autres cadreurs de France aussi. Et puis il y a une équipe qui a l'habitude de travailler avec RFO qui est aussi qui sont sur place et tout. En tout, on a à peu près 30 personnes. Et plus les régisseurs, plus tout ça, et franchement je trouve qu'on s'en sort pas mal quoi pour l'instant. Comme tous les concerts, hein, intérieur, extérieur et un peu partout dans le monde entier, c'est beaucoup de tension. Mais on est tous confiants parce qu'on connaît tout le monde, donc il n'y a pas de raison quoi. Et je pense que ce sera une très belle soirée. Voilà, malgré le retard, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, mais sinon ça marche bien. Vu l'ampleur de la manifestation, on s'est dit qu'on essaierait de notre côté techniquement d'apporter un plus de ce qu'on a l'habitude de voir sur Cayenne, sur les scènes, etc. Et donc on a fait venir des équipes de Paris avec un directeur photo, avec une super grue. Et bon, on a une grosse motivation de l'équipe de Guyane aussi, donc c'est super important. Et le challenge pour nous, c'est de pouvoir réaliser donc tout ça dans les temps, malgré le mauvais temps, d'accord. Donc pour l'instant, on est un petit peu en retard, mais on a encore 24 heures, et donc on va travailler toute la nuit et demain matin, de façon à ce que demain soir, le public guyanais soit satisfait de cette scène. On a quelques heures là du début du One Love Festival. Comment tu te sens à cet instant là, Florent? Ah, je suis impatient, en même temps un peu stressé parce que il y a pas mal de trucs à gérer, des tas de dernières minutes. Mais bon, dans l'ensemble c'est positif. On attend sur le Tout-Puissant pour que le soleil, la fête soit réussie. Beaucoup ici, beaucoup de gentillesse et puis ce que je vis quand je voyage et tout, j'ai envie de l'importer dans mon pays, donc j'ai envie de montrer que c'est possible avec de la bonne volonté, un peu de coordination, qu'on peut faire des trucs ici et puis en même temps j'avais envie de créer un contact entre des artistes qui de dimension internationale et puis des artistes locaux, et puis comme j'ai dit, le but c'est que ce soit une fête populaire. Je tiens à rappeler que Kourou a l'habitude d'accueillir de tels spectacles. Mais là, la chose innovante, c'est qu'il y a un partenariat privé, donc Florent Malouda, public, la ville de Kourou, et forcément, ça donne plus de moyens. Et donc, un spectacle qui se réunit, et ce qui est fondamental, au profit de la population de la Guyane.
Before you say another word now, tell me, what can you do to stop my man? My first time here, and I'm really looking forward to coming back very soon. Okay, first One Love Festival, first time in French Guiana. It was important for you to be here tonight? Yeah, I am happy that they invited me. First time but not the last? No, could never be the last. It's first time in maybe a few months. Thank you, Beres. Thank you so much. Thank you so much. It's totally impossible for a man. There is no reason to be so uptight. Now you got everything all right, yeah. By now you should know. On est parti Florent, on est bien parti là, il y a du monde là. Il y a du monde, ça répond présent, les gens sont contents, c'est une bonne ambiance. Donc je suis content, finalement, ça prend bien, la sauce prend bien. Pas trop fatigué là? Je suis fatigué, je sais pas comment je tiens, c'est la One Love Drink je crois. Mais bon, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Are you ready? We just a come from sweet from Africa. We been go sail on the street. We come forward with the spirit is great. The people, loving people. And I tell you, it's my first time here, and I definitely gotta be here regular. You know, I have a place in the heart of the people. There's no doubt. French Guiana, love them. And what can you say about the spirit of One Love Festival? Spirit of One Love. This is really the spirit of music. The people of all walks of life come together to listen to great music, you know, of all different genres. Okay. Thank you, Luciano. Respect. Ben, a vraiment One Love, hein. Nous avons senti que le mouvement là, ça peut arriver tous les jours, quoi. Mais vraiment est positif, le feeling a passé bien, peuple pas là, quoi. Il a vibré les rythmes. Franchement, ben, moi j'étais encore une fois transporté, tu vois. C'est un plaisir pour nous d'être là. Avec des big artistes. Déjà, je suis arrivé, t'as vu, j'ai pris des pures vibes, j'ai pris Luciano, mais récemment. Après, nous, on chante juste après, là, il y a mon frère Little qui est en train de déchirer le truc. Donc, big up Malouda, il faut recommencer ça pour tous les autres qui n'ont pas pu prendre le même pied et qui ont des choses à dire aussi. Quoi. Big up. Je fais sur scène, les gens m'ont donné une espèce de vibe. Et c'est ça qui fait que l'artiste aussi peut dégager autant de choses, quoi. Et moi, j'ai vécu cette expérience-là. Franchement, j'en ai appris des choses, j'ai fait des rencontres. One Love, ça reste grave.